charge contre lui. Et en plus de ça, Madame Robina Jadou, supposée venir dans ce statement pour lui expliquer tout ce qu'il y en a pour lui expliquer. Mais moi, je trouve qu'il fait un acharnement, qu'il fait un rush, qu'il fait besoin de partir la cour à ce là. Bon, c'est la décision qui a été prise, on va en cour, on va parler là-bas. Merci. Non, mais nous informons la cour que M. Jadou fait dans ce statement. Et à un certain moment donné, je ne dirais pas passer la cour, pas même mettre aucune charge contre lui. Quand nous sommes dans la caserne, nous ne pas même connaître qui charge dans la cour. Mais c'est ce qui nous informe le magistrat et dans le jugement de la Cour suprême, le cas de Gordo Gentil, qui dit que la Cour vient agir comme arbitre entre les pouvoirs de l'exécutif d'un côté et après un simple citoyen ce droit. Et c'est ce qui nous demande le magistrat à faire. Et le magistrat, pour la première fois, tout ça, le magistrat ne dit pas que si on vient payer 6 frais papier, 580 roupies, mais non, même que si on peut payer. Donc, mais non, aucune chose. Non, la chose, c'est qu'ils se permettent de mettre une chose à ce là qui nous trouve ça là. Hein. Là-bas, on n'informe rien. Ici, quand on vient de la cour, il y a un bout de papier qui veut dire conspiracy. Mais conspiracy veut dire qu'il y a besoin d'un agrément. Mais tout ce que M. Jeannot a expliqué dès le début, jusqu'à à ce là toute la population mauricienne connaît, jamais il n'y a aucun agrément entre lui et que les autres du monde fait quoi que ce soit. Il bat ce garçon, il cause menti, il dit qu'il n'est pas battu. Et l'invini lui montrer tout du monde avec tout preuve qu'il y ait une bouteille de champagne, un livre, j'ai pas donné, oublié, pour lui démontrer qu'effectivement, en tant que papa, je ne réussis pas à battre ce garçon. Et lui, M. Gorman bat ce garçon, il montre ça à la police. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il tient un agrément. Mais quoi d'agrément là a été? C'est tout?